Oh, the summer time is coming, and the trees are gently blooming, and the wild mountain thyme grows around the blooming heather. Will you go, lassie, go? I will build my love a tower near yon pure crystal fountain, and on it I will build all the flowers of the mountain. Will you go, lassie, go? And we'll all go together where the wild mountain thyme grows around the blooming heather. Will you go, lassie, go? Bonjour, bienvenue en rade de Brest avec nous. Alors je suis avec mon ami Seb avec qui on pêche souvent. Là aujourd'hui on va faire une pêche assez spéciale. On va pêcher l'émissole tacheté, qui est une sorte de petit requin qui rentre assez loin dans les estuaires ici en Pointe-Bretagne, dans les baies, dans les estuaires. Donc en rade de Brest il y en a un petit peu partout. Là on est sur un des postes sur lequel on la pêche régulièrement. C'est un petit requin en fait qui est pas muni de dents, qui a une râpe à la place des dents, qui mange beaucoup de crabes, beaucoup de coquillages, donc qui reste sur le fond, qu'on pêche dans une dizaine de mètres de fond, 10-15 mètres. Donc on va essayer de le pêcher aujourd'hui au crabe. Pour moi c'est assez rare les pêches à l'appât. Je suis un pêcheur roller convaincu, converti, mais une ou deux fois par an j'aime bien me faire ma petite session émissole au crabe, parce que c'est un poisson qui tire énormément et qui procure des combats qui sont géniaux quoi. Donc voilà, on va essayer de faire ça. C'est le bon moment pour commencer là. Ouais. La bonne hauteur d'eau. Le jeu est bien établi. Ouais. Une touche ? Ouais, je sais pas. T'hésites ? Ouais. Des touches très spéciales. Ouais. En fait, c'est particulier parce qu'il faut pas, justement, il faut pas ferrer la touche. C'est pour ça qu'on tient les cannes en main, en fait. La touche, c'est comme un gratouillis. On sent vraiment l'émissole qui arrive. Des fois, on voit le bout de la canne qui bouge un petit peu. Ça gratte. Et avant de ferrer, il faut qu'on rende la main. Mais c'est la seule difficulté de cette pêche-là, c'est comme on pêche dans du courant. Si on rend la main en laissant vraiment du mou, il y a le courant qui embarque toute la bannière. Comme là, il y a une quinzaine de mètres d'eau, ça fait un gros ventre et le ferrage ne marche pas. Donc on doit rendre la main, mais vraiment quand le poisson tire dessus. Donc c'est toujours tendu comme ça, lui laisser petit à petit prendre presque un mètre. On est sur un montage coulissant, donc il arrive à le prendre, ce mètre-là. Et puis quand il a pris un mètre qui s'est retourné, là, on va ferrer. C'est pour ça qu'on a toujours la canne dans la main. Aujourd'hui, on est sur un coefficient de marée de 83, ce qui est un petit peu beaucoup pour pêcher ici. D'habitude, on préfère les coefficients autour de 60-70, parce que ça permet de pêcher plus léger, donc c'est plus facile d'utiliser les cannes qu'on utilise avec des plombées un peu plus légères. Bon, aujourd'hui, on fait comme ça, il y a un beau créneau météo, ça convient bien quand même. Et on pêche à la descendante. On pêche à la descendante parce que, alors sur ce poste-là, on pêche à la descendante, parce qu'en fait, c'est des poissons, les émissoles, c'est des poissons qui bougent en colonie. On ne sait pas combien ils sont, mais c'est vraiment des bancs qui se déplacent. Et il y a des postes où ils s'installent à la montante, d'autres à la descendante. Et ce poste-là, c'est un poste vraiment purement de descendante. À la montante, on n'a jamais pris un poisson ici. Donc ça correspond bien. Et donc on commence à pêcher sur ce poste. À partir d'une heure de descendante à peu près, quand le courant est bien établi, on remarque que les poissons montent, parce que là on est vraiment sur un tombant, sur le tombant d'un chenal, et les poissons montent sur ce tombant-là à peu près à ce moment de marée-là. Donc voilà, sous le bateau on a une dizaine de mètres, là on est ancré, on est en haut du tombant,
Et donc ça tombe quasiment tout de suite sous le bateau ici. Et au milieu, un petit peu plus loin, on va avoir une vingtaine de mètres. Donc nous, on pêche entre les deux là. On pêche sur le tombant entre les deux. Et là, on est sur notre premier lancer. Petit à petit, on va essayer de décaler, d'essayer de trouver la distance du bateau, la distance par rapport au bas du chenal sur lequel on va réussir à avoir des touches. Donc parfois, c'est vraiment presque en haut du tombant. Parfois, c'est un petit peu plus bas. Ça, on va le chercher aussi. Alors c'est sûr, pour des pêcheurs rouleurs, c'est particulier comme pêche parce que ouais. Du coup, on attend. On n'a pas l'habitude. C'est pas très actif. On sait pourquoi on attend. C'est ce qu'on attend. Ouais. Ah, touche. Ouais, attends. On ne s'il a pas retouché le truc. Je pense pas que c'était une émissaire. Sur la petite dorade grise, un truc comme ça. Je vais voir s'il me reste un crabe. Alors. Ouais, il me reste un crabe. Peut-être quelque chose, je suis pas sûr. Je sens que ça fricote. Tiens, regarde. Ouais. Ouais. Fendu. Yes. Bien vu, sol. Ah, c'est mis sol, ça, c'est bon. Bien vu. C'est parti, la première. Pour l'instant, c'est bien calé au fond. Ouais. Ouais, ça a pas l'air mal. Ouais. Plein dans le jus. Ah, petit coup. Ah, tu vois, c'était peut-être une touche d'émisselle que j'avais eu aussi avant. Peut-être qu'elle vient de monter sur le truc. J'ai du mal à la décoller quand même. Ouais, mais bon, ça va venir. Là, pour l'instant, on n'a pas encore vu la surface. Ouais. Tu voudras pouvoir faire le tour, que j'enlève ma canne. C'est de l'autre côté. Yes. Une petite, elle va s'énerver en fait. Ouais, je suis pas sûr. T'as vraiment sûr. Elle est piquée en bord de bouche. Au bord, ouais. Ouais, tu vois, normalement. Ouais. Elles sont pas très vives. Pas très vives. Hein. Non. D'habitude, ouais. Un peu plus. Un peu plus coriace. Tu veux que je la chope? Ouais, ça devrait aller. C'est bon. Ça y est, elle s'énerve. Ouais. Ouais. Tiens, attends. Sympa. La première. Et voilà, la première. Il ne reste plus qu'à faire plus gros. Ouais. Je vois combien elle doit faire à peu près. Ouais, c'est. Je sais pas. 80. Ouais. Tiens, attends. Choper la pince. Une touche quoi, c'est tout. Ah ouais. Mais j'en ai une petite avant, tout à l'heure. Je vais laisser. J'ai senti un ting. Allez, hop. Et voilà. Et elle se débat quand c'est fini. C'est bon ça. Il y a un crabe qui a réussi à se faire la malle. Allez, c'est parti pour la deuxième. Mais ça, le montage s'en mêle pas, c'est bien. Ouais. Tu veux que je m'abaisse? Non, mais je vais peut-être attendre que tu laisses un peu le courant. Un tout petit peu. Parce que sinon, tout à l'heure, j'ai lancé tout de suite après et on s'est suivi du coup. Ouais. Il y a de l'eau quand même. Tu crois que c'est bon ou pas? C'est bon. Hop, attention, c'est vrai qu'au niveau maniabilité, c'est pas terrible. Tu l'avais rattrapé le gros crabe? Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais. Par contre. Touche. Ouais, touche. Elle est pendue.
vais ramener pour pas te... Laisse-la travailler, je vais éviter de te... C'est bon ça. Bah, de toute façon, moi, c'était plié, il n'y avait plus rien. C'était plié. Ah, j'ai cassé. Tu rigoles? Non, je rigole pas. Alors pourquoi? Et où? À la tresse? Ouais, ça a dû racler le fond avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu plus de fluoro. On va voir si j'arrive à éviter ça. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de coefficients, il y a plus de 80 de coefficients. Ça nous pose un problème quand on pêche, c'est que quand on lance le plomb, il descend au fond. Et après, avec la force du courant, il va ricocher sur le fond petit à petit. Donc on essaie de le faire ricocher le moins possible, mais il se déplace quand même d'une trentaine de mètres entre le moment où on le pose et le moment où on va arrêter de le lancer, par petits bonds de quelques centimètres. En fait, il y a un risque que la tresse se coince entre les huîtres, parce que le fond est tapissé d'huîtres. Donc souvent elle frotte sans se coincer, mais elle s'abîme petit à petit, donc il faut toujours vérifier quand on relève qu'il n'y a pas un pet sur la tresse dans les derniers mètres au-dessus du plomb. Pas déjà quand même. Une touche? Ah ouais. Bien vu. C'est cool ça. Bien vu mon sel. Allez, c'est parti! Ça a l'air sympa celle-là. Bien ça. On va direct dans le lourd. Ouais. En fait, elle essaye de coller le fond. Ouais. Ouais. Elle envoie un peu plus celle-là. Ouais. Elle n'a pas envie de venir. Ouais, non, c'est clair. C'est bon ça. Vas-y, vas-y. Je vais te laisser la place là. Ouais, elle gigote bien celle-là. Des fois, j'ai l'impression de sentir la queue dans la nuit. Ouais, c'est ça. Vas-y, t'as toute la place. Allez, cocotte. Elle va arriver. C'est bon ça, mon sel. Oh, elle est pas mal en plus. Elle est pas mal du tout. Ah. Et c'est reparti. Superbe. Super poisson qui fait... 90 cm ouais, à peu près, ouais. Allez, ma mère, il est ici. Elle peut repartir encore une fois, peut-être. Elle peut repartir, ouais. Ça, j'ai desserré un peu le frein, au moins. Ouais. Ah, c'est ça, elles aiment vraiment pas voir le bateau. Voilà, elle peut repartir. Et marrant, c'est quand elle fait ça 4-5 fois de suite. Ce qui arrive. Allez. C'est bon? Non, non, je l'avais mal prise. Vas-y. En fait, ouais, on l'attrape par la queue parce que c'est un peu le seul endroit où on puisse la prendre, avoir une bonne prise en main. Une bonne prise, parce que là, du coup, comme la queue est assez fine, on peut vraiment refermer la main dessus. Et avec la main ferme... Voilà. Avec la main ferme, ça repart. Merde. Ah, je l'ai ouvert. C'est moi qui l'ai ouvert. C'est toi qui l'as ouvert? Ouais. Et voilà, même après quelques minutes, elle repart encore. Ah, elle est gentille, celle-là. Ouais. Elle repart au fond. Yes.
Excellent. Et voilà. Cassé. Allez, là, là, pareil, elle a dû repartir aussi. Tu penses qu'elle est retournée complètement jusqu'au fond? Ouais, je pense. Bon, donc du coup, là, on n'a pas pu la sortir parce que... Parce que comme c'est un poisson, c'est vraiment essentiellement un poisson de fond. Et donc du coup, dès qu'elle voit un peu la surface, dès qu'on la touche, elle n'aime pas trop. Donc du coup, bah, là, j'ai essayé de la choper par la queue, mais en fait, dès qu'on la prend par la queue, elle se débat très très fort. Et bah, là, du coup, elle m'a glissé un peu entre les doigts, même en serrant assez, assez fortement, et du coup, elle est repartie. Et bien énervée, elle a recollé le fond et puis elle a dû racler sur une huit et cassée. C'est un peu le problème, ça aussi, d'utiliser de la tresse, parce que ça casse comme du verre. Ça casse direct. Par contre, on pêche à 20 mètres, c'est des touches quand même qui sont assez fines. Donc si on n'utilise pas de tresse avec le courant qu'il y a, on sent rien. Donc c'est une obligation, mais c'est aussi c'est un inconvénient quand ça touche le fond. Donc c'est, je joue toujours sur cette limite-là. Essayer d'avoir une tresse suffisamment fine pour pouvoir traverser la couche d'eau avec une plombée qui reste correcte, parce qu'on pêche là entre 100 et 120 grammes. Si on pêche avec des tresses plus grosses qui résisteraient mieux au fond, on serait obligé de mettre 200 ou 250 grammes, ce serait plus un plaisir. On serait obligé d'utiliser des cannes beaucoup plus fortes, donc les combats seraient plus amusants du tout. Et voilà, avec les tresses fines comme ça, on prend ce risque que ça casse au fond. En espérant que les poissons arrivent à bien se libérer de l'hameçon, mais je me fais pas trop de soucis, se frotte partout, ça c'est... Comme on les pique tout le temps juste sur la lèvre, ils doivent réussir à s'en défaire assez facilement. Bon, moi je vais vous montrer comment réaliser le montage que je fais moi pour les missoles. Alors il peut y en avoir plusieurs. Moi ce que je fais, c'est un montage coulissant. Parce que les missoles, quand elle vient chercher votre crabe, parce qu'on pêche au crabe, elle va se retourner, elle va avancer un petit peu et on a besoin de pouvoir lui rendre un petit peu la main avant de ferrer. Le ferrage, il est efficace quand elle est en bouche depuis 4-5 secondes et pendant ce temps-là, elle avance. Donc il faut que le montage soit coulissant, on a des plombs qui sont quand même assez lourds, qu'elle ne sente pas trop la pression du plomb pendant qu'elle grignote le crabe. Donc le montage, il est assez simple. Ce que je fais, c'est que je prends un moulinet garni en tresse. Donc là, c'est de la tresse... La tresse en 25 livres à peu près. J'ai un émerillon qui est monté sur un coulisseau. Donc je vais simplement rentrer ma tresse à l'intérieur, la faire coulisser, elle ressort de l'autre côté. Donc ça, c'est la partie qui va coulisser sur ma ligne. Donc c'est la première étape. Ce que je vais faire après, c'est que je vais aller mettre une petite perle sur la tresse. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc une perle caoutchouc. C'est ce qui se fait de très classique. On peut mettre une perle en verre aussi, mais moi, j'y vois pas forcément d'intérêt. Donc, c'est pareil, c'est une perle qui est trouée dans son milieu, donc dans laquelle je fais passer la tresse. Voilà. Donc, en fait, cette perle-là, elle va venir en buter contre mon coulisseau. Et de l'autre côté, je vais accrocher un émerillon. Et la perle va protéger les chocs entre le nœud de mon émerillon et mon coulisseau. Donc, sur l'émerillon, ce que je fais, comme je suis en tresse, la tresse, c'est pas forcément évident de faire des nœuds avec la tresse. Moi, il y a un nœud que j'aime bien, que je trouve assez solide avec la tresse, c'est le nœud palomar, donc qui est très connu. C'est un des nœuds les plus utilisés par les pêcheurs. Il consiste à le bloquer dans une boucle, à faire juste un tour, à ressortir ici, et à passer l'émerillon après dans la boucle que je viens de ressortir. Une fois que ça c'est fait, je vais tirer le tout, humecter un petit peu. Voilà, là j'ai mon nœud, c'est bien réalisé. Donc je vais couper l'excédent. Voilà, la première partie de mon montage est réalisée. C'est que j'ai mon coulisseau, ma perle de blocage et mon émerillon. Sur ce coulisseau-là, je vais venir fixer mon plomb tout à l'heure. Ensuite, je vais mettre du fluorocarbone. Donc ici, on est en 50 centièmes, c'est bien, c'est ce qu'il faut, il ne faut pas moins. Parce que le fond est garni d'huîtres, donc il y a un peu de frottement. En général, c'est la tresse qui casse, mais il faut quand même avoir 40 ou 50 centièmes minimum en fluorocarbone. J'en mets à peu près un mètre. Voilà, donc là, je vais simplement faire un nœud, alors un nœud universel. Il n'y a pas besoin de se compliquer. C'est pas le point le plus fragile de la ligne, donc là, c'est... particulièrement là-dessus qu'il faut soigner,
soigner les nœuds. Alors il faut faire un truc qui tienne, hein, bien évidemment, mais on ne cherche pas à avoir le nœud le plus résistant du monde. Alors avant de finir de serrer, j'humecte toujours un petit peu le nœud pour qu'il glisse bien. Voilà. Et de l'autre côté, je vais tout simplement fixer mon hameçon. Donc là, j'ai choisi de mettre un hameçon assez volumineux en circle. Donc circle, c'est une pointe rentrante qui fait que le poisson arrive à se piquer à peu près tout seul. Quand il met une pression dessus, il y a donc l'hameçon qui se renverse dans sa gueule et la pointe qui est légèrement rentrante qui vient se piquer derrière la lèvre. C'est intéressant pour deux choses parce que quand on pêche comme ça, on sent beaucoup les touches, mais parfois le poisson va fuir d'un coup et on ne va pas avoir le temps de baisser la canne pour reférer après. Donc là, il va se ferrer tout seul. Et l'autre chose intéressante, c'est que quand on ferre avec ces hameçons-là, les poissons sont pris vraiment en bordure de gueule et qu'on peut les relâcher sans aucun accroc. C'est vraiment, c'est très respectueux du poisson. Donc moi, quand je pêche à la passe, c'est ce que je fais parce que je déteste ramener un poisson qui a l'hameçon au fond de la gueule. Donc ça évite ces désagréments-là. Hop, ça, c'est bon. Donc je vais accrocher mon plomb. Donc là, sur les plombs, on utilise plusieurs grammages, plusieurs formes parce qu'on pêche quand même dans des courants qui changent beaucoup. Là, on pêche toute la marée descendante. Donc le plus fort du courant est au milieu de la marée et il peut être 3-4 fois plus fort qu'à d'autres moments de la marée. Donc on va vraiment constamment chercher le bon grammage pour tenir à peu près le fond. Donc on utilise des plombs entre 70 et 150 grammes de deux formes principales. Voilà. On a les plombs comme ça en pyramide avec des côtés plats, des flancs plats qui vont ricocher sur le fond et puis rouler. Donc ça, c'est intéressant parce que avec le courant qui prend sur la tresse et qui appuie sur tout le montage, le plomb va rouler au fond. Donc il va se déplacer, voilà, en tournant comme ça sur le fond. Et on va peigner un petit peu de terrain et ça va faire un petit peu de bruit aussi qui peut attirer les poissons. Par contre, c'est pas toujours bon. Donc c'est à essayer. Et dans l'autre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un plomb montre comme ça, qui est une forme qui se bloque au fond, vraiment qui reste collé au fond, qui a très peu de prise au courant une fois qu'il est au fond. Il en a beaucoup pendant la descente, mais une fois qu'il est au fond, il n'en a presque plus. Donc voilà, on essaie d'alterner sur ces deux types de formes et puis sur les différents poids aussi qui existent. Donc ce plomb-là, je vais tout simplement le fixer sur l'accroche rapide que j'ai sur mon coulisseau. Et voilà. Et là, on a le montage qui est complet. Il ne reste plus qu'à accrocher un crabe. Donc ce qu'on voit, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le plomb va être posé au fond comme ça. Si j'ai un poisson qui vient prendre mon crabe, qui tire, il va tirer sur le bas de ligne. Et donc, voilà, ma ligne va coulisser comme ça. Donc il ne va pas sentir. Il va pas sentir le plomb. S'il tire dessus, vraiment, ça coulisse. C'est l'intérêt de ce montage coulissant-là. Voilà. Donc un crabe, et c'est parti. Et on y va. Hop. J'essaie de prendre. Alors c'est des crabes verts, hein, c'est ce qui marche le mieux dans ce qu'on a essayé. Crabes verts, c'est les plus faciles à ramasser aussi, donc ça nous arrange. Une taille moyenne comme ça, c'est pas mal. Bien vivant, hein, c'est important. Et après, il y a plusieurs façons de les écher. Moi, ce que je vais faire là, c'est que sur les circles, ce que je fais souvent, c'est que je vais le piquer par une patte du milieu. Et je vais essayer de le ressortir juste au-dessus de la patte de derrière, comme ça. Donc là, il reste bien vivant et ça marche assez bien. Voilà, hop. Ça qui est intéressant, c'est qu'ils bougent bien dans l'eau, ça les attire bien. Voilà, c'est parti. Mouche. Chez toi ? Ouais. Ouais. Chez moi aussi. Allez, allez, allez. Attendu. Non, pas chez moi. Vas-y, mon sable. Ah, j'avais une touche aussi. Il y a un passage là. Deuxième passage. Classique. C'est bon, ça, mon sable. Je me suis fait nettoyer. Essaye de pas la casser, celle-là. Ah, ça j'aime bien ces courbures de canne. Voilà, ça c'est bon. Ah.
Elle est pas mal, elle est pas mal. Tu veux passer derrière? Non, ça va aller. Ça va aller. Elle est belle. Tu veux que je la chope? Ouais, vas-y. Ouais. Attends, attends. Oh oui, t'inquiète. Elle décide de repartir. Ah, tu vois, il y avait un passage. Ouais. Elle peut repartir encore. Ouais, ouais. Mais elle va repartir encore. Non, pas qu'elle peut. C'est bon. Tu l'as ? Ouais. Yes ! Hop. Allez, on la décroche. Et on va la relâcher. La mémère. Tu la tiens bien ? Ouais, ouais, je la tiens bien. Elle est bien, elle est bien prise. Elle est bien prise. Dans le coin, là. Et puis le circle, en plus. Ouais. C'est voilà, c'est bon. Tu récupères juste la canne. Hop. Attention à l'hameçon. Tu l'as dans la cuisse, là. C'est bon. Hop, allô. Super, ça. Allez, ma mère. C'est parti. Ça repart, ça, c'est incroyable. Ah ouais, ça repart comme, ouais. Comme une balle. Il est bien le courant, là. Ah ouais. Tu vois, c'est comme ça que je te dis qu'il doit être normalement. Tu le vois qui force là et toi t'es en dehors. Bon, je sens que je vais avoir une touche là. Touche. Yes! Resserre un peu ton frein si on va partir. Bon bah ça va peut-être être la dernière de la journée parce qu'on est. La météo a changé un petit peu. On est en fin de descendante. C'est normalement là c'est vraiment la fin. Donc c'est bien, on va finir, je pense que c'est une jolie émissole. À finir là-dessus. On aura passé une belle journée, comme d'habitude. Tu veux que je te la chope ou ça ira ? Oh, ça va aller. La météo a changé, on avait. Mais un beau soleil ce matin, là ça se couvre de plus en plus. Demain c'est la tempête. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas de vent, ça pêche encore, mais bon, ça va vraiment être la fin. Allez, viens là. Alors c'est un requin, mais c'est un requin qui a pas de dents ou pas de grosses dents. C'est une espèce de grosse râpe dans la gueule, mais ça mord pas, c'est pas dangereux. Il ne veut pas se présenter comme il faut. Tiens, attends. Ah, c'est bon, bon. Je récupère un peu. Il n'est pas tout à fait prêt encore. Même au-delà. Même au-delà de la fin, ça se bat. Et c'est incroyable. Et voilà. Donc c'est un requin, hein. C'est vraiment une espèce de requin. Par contre, c'est pas un requin qui a des dents, c'est une espèce de grosse râpe qui lui sert à broyer les coquillages, broyer les crabes. C'est pas dangereux, on peut vraiment la manipuler, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis c'est un poisson qui est superbe. Regarde les yeux que ça a. Des yeux magnifiques.
des taches à partir de la ligne latérale jusqu'au dos. Donc c'est d'où son nom, les missoles tachetées. Vraiment un très beau poisson, une boule de muscles. C'est vraiment un poisson super sympa. J'espère que cette session vous aura plu. Merci Seb de nous avoir amené, d'avoir fait le pilote. Et puis, et puis voilà, n'hésitez pas à venir pêcher en point de Bretagne si ça vous intéresse de prendre des poissons assez peu communs comme les missoles tachetées.